C'est sous le slogan « La CEDEAO exprime sa solidarité au Niger à travers la remise de produits alimentaires » que se tient à l'Office des produits vivriers du Niger de la région de Dosso la cérémonie officielle de réception de 6528 tonnes de céréales composées de 1000 de sorgho et de maïs de la réserve régionale de sécurité alimentaire de la commission de la CEDEAO, dont 2000 tonnes à Dosso, 1028 tonnes à Kony, 2000 tonnes à Maradi et 1500 tonnes à Zender. Le premier du genre, cet appui alimentaire financé par l'Union européenne à hauteur de 56 millions d'euros permettra de renforcer les capacités de gestion des risques et de souveraineté alimentaire des États membres de la CEDEAO. Après le mot de bienvenue du vice-maire de Dosso et l'intervention du gouverneur, au cours de laquelle il a relevé les potentialités agricoles dont dispose la région de Dosso, il a exhorté les partenaires à plus d'accompagnement en équipement agricole, en plus des efforts de l'État à produire et à s'autosuffire. Le commissaire à l'agriculture, à l'environnement et des ressources en eau de la commission de la CEDEAO a dans un large exposé indiqué que la commission de la CEDEAO est heureuse d'apporter la solidarité des 14 autres pays membres au Niger. Il a par ailleurs affirmé l'engagement de la CEDEAO à atteindre les objectifs de l'an 2025.